Donc allez, on est parti, on va voir ce que ça donne la troisième nouvelle mission qui nous attend. Alors que les Mongols au nord anéantissaient l'armée polonaise, Batu Khan et le général Subotai faisaient des ravages dans le sud, au cœur de la Hongrie. Attirés dans une poursuite intense, le roi hongrois pourchassa les envahisseurs étrangers jusqu'aux confins des plaines de Mohi. La bataille de Mohi en 1241. Attirant l'armée hongroise sur un champ de bataille judicieusement choisi, Batu Khan et le général Subotai Batur préparaient leurs guerriers à un nouveau combat tactique. Il y a un succès sur cette mission que je vais vous montrer tout de suite. Ah bah. Batu Khan mena ses guerriers à travers les plaines, attirant le roi hongrois vers un champ de bataille loin de sa ville. Alors que les Hongrois se séparaient pour se regrouper de l'autre côté de la rivière Sayo, les Mongols se préparaient à attaquer. Ok. Éliminer l'armée hongroise. D'accord, je crois savoir ce qui nous... Je le crois que ça sent général pas bon. Subotai rejoindrait bientôt Batu après avoir escorté le camp mongol jusqu'au lieu de la bataille. Pendant que le Khan attendait son général, l'avant-garde mongole alla tâter le terrain de l'autre côté du pont, au nord. Ouais, bah on se demande ce qui nous attend, hein. Ouais, bien sûr. Ah, oh là. Oh putain. D'accord. De l'autre côté du pont, les soldats mongols se trouvèrent en infériorité numérique et durent battre en retraite à la hâte. Alors. Ah oui, ça commence bien. Hein. Ce n'était pas la première fois que Batu était en infériorité numérique. Fort de ses précédentes victoires, il prépara une attaque coordonnée. Arrivé sur les lieux de la bataille, le général Subotai évalua rapidement la situation. Je viens de faire un forum. Vite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur la cavalerie. Quelques tireurs. Je viens de faire une forge. Une autre caserne ici. Et toi, t'es quoi? T'es un Kurultai. Je sais ce qu'on va faire. Il y a un succès en fait sur cette mission. Dès qu'on va attaquer avec Batu Khan, on va devoir. Comment dire Alors, comment je vais expliquer ça? On va devoir tuer le double d'ennemis que son armée. Mais on va essayer de le bloquer justement. Alors, j'ai un plan pour ça. On a... Bon, déjà, on va renforcer nos forces. On a 7 cavaliers ici. Ah oui, j'ai pas d'atelier de siège encore, c'est vrai ça. Ok. Et nous, on va faire un guerre ici. Pas un guerre, pardon. Vous deux là, vous faites plus rien pour l'instant. Je vais vous mettre. Ah,
Alors, Subotai, t'as quoi, toi? La portée de la vision est rapidement améliorée les capacités de ses flèches fusion. D'accord. On va déjà se regrouper avec cette partie d'armée là. En approchant de la rivière Sayo, les Mongols découvrirent un guet praticable. Je vais débloquer l'armure de mes troupes là. J'ai rapproché mes Mongols au centre. Est-ce que je peux faire un marché? Ouais, j'ai tout dit de faire un marché là. Si je peux faire un cinquième Mongono, ce serait super. Et je vais partir sur la cavalerie. Un dernier Mongono pour faire du DPS au centre. À racheter de la bouffe. Bon, on a déjà ça ici. Alors que Subotai partait préparer son armée, Batu était déterminé à réessayer de prendre le pont. Un groupe de lanciers pour aller supporter les Mongonos devant. Alors, on va revendre du bois. Alors, je développe pas une petite tech, tiens. On va débloquer plutôt ça pour la pour notre cavalerie de corps à corps et tout. Ah.
En fait, 4 mangonos, j'espère que ça aura la puissance requise pour pouvoir faire du dégât, quoi. Allez, let's go. Allez. Je vais augmenter la vitesse de collecte de bouffe. Découvrir un autre passage permettant de traverser la rivière. Un pont cassé. Ah. Vite par là, allez. Qu'est-ce que je voulais faire ? Trois lanciers en plus de cavalerie, ça pourrait être un plus. Au centre, je vais renforcer encore avec des lanciers supplémentaires. Ok, ils ont réparé, bien joué. Hop. Bon, 45 secondes. Hop, on aura une douzaine de lanciers pour protéger nos mangonos le temps 2. Ama o tarz hangi boy? Ankara
Batoukan profita de cette chance pour traverser le pont et affronter directement les Hongrois. Allez, go, 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 on flanque, allez. Let's go. S'emparèrent du pont et gardèrent l'espace ouvert, forçant les Hongrois à se rabattre sur la forêt et à se diviser en plusieurs groupes. Les Mongols pouvaient désormais pousser les Hongrois à revenir vers leur camp, un espace réduit sans issue. Est-ce que je vais l'avoir succès ? C'est ça la question. Ok, on va se regrouper avec tout ce qui nous reste de nos forces. Je crois que je vais faire du renfort là. Une fois les Hongrois acculés, les Mongols s'abattirent sur eux pour détruire ce qu'il restait de leur armée. Ok. Oh, ils sont nombreux là-bas. Ok, plus de renfort que ça. Allez. Pourquoi vous tirez à l'enflamme ? Ça fait rien en vrai.
On va reculer parce que là on prend cher. Bon, très bien. J'ai envoyé deux mongonos en renfort. Ah, il y a un nouveau contingent qui rejoint Batou. Alors quand ils disent Batou à Batou, est-ce que... Alors... Tuer le double des ennemis lors de l'assaut du pont dans la bataille de Moï. Alors je sais pas, je pense qu'on en a tué plus que lui logiquement. On le saura à la fin de la mission. Ça y est, les mongonos supplémentaires sont en route. Peut-être que je devrais rajouter d'autres écuries pour aller plus vite. Mais arrêtez de tirer à l'enflammé, je vous ai jamais dit de tirer à l'enflammé. Reculez, reculez. Bon. Alors je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Mais arrêtez de viser là. Je leur dis de pas tirer à l'enflammé, je comprends pas. Oula. Ça va être un peu plus compliqué par contre. C'est des stagiaires, neuf. Ah, lui. Donc logiquement, j'ai deux là, hop. Ah, j'ai un mongoudé qui traînait là. Hop, on va en produire plein de mongoudaï. Que j'ai oublié une technologie. Je vais peut-être faire ça juste pour voir si ça prend en compte les archers de cavalerie, mais j'ai un doute. Donc là, on a plus d'or.
Bon. Ah, on n'a plus d'or. Ok. On va couper assez de force déjà. Dans 1 minute 30, on aura une dizaine de lanciers en renfort de cavalerie. Ah tiens. C'est bien, ça tombe. On va avancer, on va pousser un peu. C'est par là, vous, vite. Wow, il y a du pop. Non, non. Revenir. En plus, le vote est épuisé au moment où on termine la bataille. Alors, je crois que je ne vais pas l'avoir, tu vas voir. Les Mongols rasèrent le fort hongrois, obligeant ainsi le roi et ce qui restait de son armée à s'enfuir. Une fois de plus, Batu Khan et le général Subotai s'étaient montrés plus rusés qu'une armée européenne et l'avaient vaincu, semant ainsi la terreur à l'ouest. Non, on ne l'aura pas apparemment. Parce qu'il a réussi à battre plus d'ennemis que moi, ou le double. Bon, on va lire la page d'histoire à la vidéo, bien sûr. Les Mongols décimèrent l'armée hongroise et laissèrent le roi sortir vers la capitale où il fit le récit de l'invasion de l'Europe par les guerriers du Batu Khan. Salut Kodan, comment tu vas? Alors, on a une vidéo et une page d'histoire. On va commencer par l'arbalète à arc. Les Mongols utilisaient toutes sortes de machines ingénieuses. Des trébuchets,
aux arbalètes géantes. Spécialiste des guerres de siège, il recrutait des ingénieurs militaires chinois pour construire leurs engins. Dans cette copie de manuel chinois du XIe siècle, Justin Ma découvrit une arme atypique. This is a triple crossbow, a large triple crossbow, in an arrangement where you have two bows in front, and here's the weird thing, you've got one bow in the back facing backwards. There is a term in this passage which says that the bows are joined using a shengzhou, mm-hmm. or a rope and axle, a pulley. Okay, yeah. A pulley is the key, and that's the absolute essential ingredient in this contraption to make it work. Les arcs avant sont reliés par deux cordes rudimentaires. Toutefois, l'arc arrière est disposé vers l'arrière. Les deux arcs avant sont bandés et dirigés vers l'avant. L'arc arrière, lui, est rattaché à ceux de l'avant par une seule corde, passant par deux poulies. Ce système de poulies permet aux trois arcs de décocher un projectile dans la même direction. Now these pulleys make sense. So I'm spanning around here, reversing the direction. Un mécanisme de remontage permet de retendre la corde. You can see that tension as it's pulling that last bow in reverse. Un aspect essentiel de sa conception est l'arc orienté vers l'arrière. Cette fonction unique donne une tension énorme à l'engin, ce qui lui permet de tirer des flèches gigantesques. There's a lot of tension in there. Le projectile est tiré avec une force impressionnante. Golly. Well, it's gone through three. Après avoir percé trois planches au premier essai, l'équipe décide d'augmenter la difficulté. Let's do it. Quite exciting. Let's see if it really can punch a hole through that fourth one. It went all through three of them and it punched a slight hole on the side of the fourth. Au combat, ces armes peuvent servir à percer des boucliers. Mais ce lourd tonneau en chaîne pose encore plus de difficultés. We got the hole. Look at it. A lot of leaking out. I didn't think we're gonna be able to punch this. I mean, it's just incredible. This is impressive. I mean, this took a lot of force too. Look at the thickness of it. And this is some hard wood. I mean, this is not just some particle board here. Okay? I mean, this is incredible. L'assimilation des connaissances et du savoir-faire des peuples conquis permit aux Mongols de remporter des guerres et de conquérir de vastes territoires. Cela permit la création de l'un des plus grands empires au monde. Bon, bah c'était pas mal, hein. Franchement, moment est-ce que... Attends, je vais le faire, tout bien, parce que je sais pas pourquoi il t'a mis ça, désolé. Il n'indique pas non plus... C'est vrai qu'entre Age of Empires 4 et Total Warhammer, il y a une différence, c'est clair. Donc, ouais. Mais à mon avis, ça devait être quoi? Il devait même pas y avoir 15-20 mètres, un truc comme ça. Peut-être plus. Alors, le général Subotai Bahadur. Au début de son règne, Genghis Khan nomma un jeune garçon en tant que garde personnel, sa détermination l'ayant convaincu de son potentiel. Il resta aux côtés du Khan et grandit avec ses stratégies. Il deviendra plus tard l'un des chiens féroces de Genghis Khan, un groupe d'élite constitué de ses meilleurs généraux. Il s'appelait Subotai. Guerre après guerre, Subotai prouva sa capacité à déterminer la faiblesse d'un ennemi et à l'exploiter. Ses méthodes peu conventionnelles permirent aux Mongols de remporter des victoires faciles en Asie et en Europe. Il se servait d'espions, d'écrans de fumée et de fausses retraites pour désorienter et épuiser ses adversaires. Il était capable d'organiser plusieurs assauts soudains et prolongés sur de grandes distances qui semaient le chaos chez l'ennemi. Subotai est encore une figure légendaire de nos jours, tant pour sa férocité que pour sa ruse. Ok. Bon, dommage, on n'a pas eu de succès, donc j'essaierai de le refaire de mon côté, tant pis. Donc c'était la fin de cette mission de la bataille de Mouy, donc là pour la campagne, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour nos aventures.